national. Et donc, superbe succès, mais on va retrouver très rapidement maintenant, parce qu'il aurait été l'homme des deux derniers tours. Il nous vient de la région de Saint-Étienne, du Chambon Feugerolles. Jean-Baptiste Pinson vient prendre une excellente deuxième place. Quelle finale! Ah, il va se dire s'il y avait eu un tour de plus. Est-ce qu'on tentera de se rapprocher maintenant? Notre coureur termine. Une fois qu'il s'est permis ici, donc je savais exactement où il fallait faire les efforts et j'ai refait exactement ce que j'ai fait quand il y avait David Panier. Et j'ai attaqué là où il y a mon point fort, c'est les buts à pied et c'est là où j'ai fait la différence. Voilà, on te sent aussi motivé j'imagine pour préparer des objectifs très très importants pour toi. Oui, bah, disons que je suis en pleine préparation sur le France dans quelques jours, donc j'enchaîne des grosses parties de travail, très peu de récup. Là j'ai couru samedi, dimanche. Mardi, je recours aujourd'hui, j'ai fait 3h30 jeudi, 3h30 hier. Donc le but c'est de travailler, d'arriver fatigué sur les crosses et de récupérer jusqu'à la semaine avant les crosses. Un petit mot de ton titre de champion du monde, grand moment d'émotion. L'émotion elle est quand tu passes la ligne, que tu lèves les bras ou quand tu entends la Marseillaise hymne nationale sur le podium avec le maillot arc-en-ciel? Non, c'est sur le podium, c'est quand on réalise qu'on est sur la plus haute marche, c'est là où les émotions viennent. Et puis voilà, j'avais aussi mon fan club qui s'était déplacé en Suisse, mes parents, et puis les gens qui me suivent très régulièrement. Donc ça fait chaud au cœur et j'espère que cette année on essaiera de faire le mieux possible.